l'urgence dans les réformes en cours au niveau des organismes de prévoyance sociale était d'abord d'arrêter, de stopper l'hémorragie au niveau de la CNSS. C'est pourquoi cette décision a été prise. Il y a un comité de surveillance et de contrôle qui a été mis en place. Ce comité de surveillance fera en sorte que le gouvernement puisse avoir un regard beaucoup plus précis sur le niveau d'exécution des dépenses, aussi bien de la CNSS que de la CNAMGS. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les mois, le directeur général de la CNSS, l'administrateur provisoire de la CNSS et le directeur général de la CNAMGS devraient présenter à ce comité de surveillance et de contrôle le plan de dépenses mensuel. À partir de là, le gouvernement pourra mieux apprécier quelle est l'utilisation des fonds alloués pour financer le social des Gabonais. Donc, nous ne sommes pas un gouvernement qui est dans du sensationnel pour dire que, comme on a fait pour la CNSS, fallait aussi faire pour la CNAMGS. Nous sommes un gouvernement qui agit dans la mesure en fonction des urgences. Ce qui est en fait, nous attendons à pied d'œuvre l'administrateur qui, évidemment, nous pensons, doit être bien entouré. Parce qu'on dit, là où il y a de la volonté, il y a du chemin. Nous nous battons pour nos emplois, nous nous battons pour les retraités, donc les pensions et les autres prestations. Nous nous battons pour la pérennité de notre institution. Alors, nous attendons, nous lui donnons le temps pour nous présenter sa feuille de route et les différents comités qui ont été mis en place, et du moins qui n'ont pas encore été, dont on n'a pas encore désigné les membres. Je pense au comité de surveillance et de contrôle. Je pense au comité de gestion qui doit accompagner l'administrateur. Et là-dedans, je tiens à dire, si nous écoutait l'administrateur, qu'il faut s'entourer des personnes qui ont la mesure de la chose, qui sont animées d'un esprit patriotique. Parce que par le passé, les gens, la plupart des gens qui ont entouré les directeurs généraux, c'est des personnes qui n'étaient pas animées d'un esprit patriotique.